then mal wieder überfordert gewesen von der Kampfstresse, Präsentationen und Antext vorbereiten müssen. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, es gibt doch den ChatGPT. Und den benutze ich jetzt. Anstatt um 3 Uhr nachts meine Sachen vorzubereiten, bin ich in einer existenziellen Fragenkrise des Humanismus Online-Diskussion mit dem ChatGPT gekommen. War ganz nett. Aber das Referat habe ich dann später um 8 Uhr wieder geschafft. Und den Text? War nicht mehr. Thank you.
Igor Stravinsky. Bonsoir à tous et bienvenue sur Arte depuis le Théâtre des Champs-Élysées à Paris pour une soirée absolument majeure. C'est l'événement artistique de l'année puisque nous célébrons les 100 ans de ce haut lieu de la vie artistique parisienne, le Théâtre des Champs-Élysées construit en 1913, qui accueillit pour sa première saison un chef-d'œuvre absolu, le premier grand scandale du XXe siècle, le Sacre du printemps du génial compositeur russe Igor Stravinsky. Alors ce soir, ce sont donc deux versions que vous allez découvrir de ce ballet sulfureux. Tout d'abord, la version originale de 1913 de Nijinsky. Et puis, en deuxième partie, ce que tout le monde attend ici, la création de l'illustre chorégraphe allemand Sacha Baez, qui se confronte pour la première fois à ce monument. Autant vous dire que les symboles sont forts et que la soirée promet d'être absolument exceptionnelle. Il y a des personnalités importantes qui ont fait le déplacement, qui sont juste derrière moi, ici. Il y a la petite fille de Nijinsky, le petit-fils de Stravinsky, aux côtés de la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, des ministres du gouvernement, et l'ambassadeur de Russie en France, et puis un petit peu plus loin, dans la fosse, à la tête de l'orchestre du ballet du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, il y a le grand, le très grand, Valéry Gergiev.